vous bénisse. Et il te plaît qu'aujourd'hui, nous sommes dans nos réunions de l'enseigne. Amen. Je passe directement à la parole de Dieu. Je vous fais la lecture de la parole. Et puis, il y a un nouveau thème qui nous peut prendre à partir d'aujourd'hui. Amen. Dans quelques secondes, on vous y a dit. Et on va ouvrir, on va mettre la base sur la parole avant de commencer. Amen. Quelqu'un qui est dédié, vous content tout ça dans la présence de Dieu. Amen. Mon courageux point d'affaires, je connais que chaque réunion est dans son importance. Amen. Tout réunion, chaque réunion. Pour prendre l'exemple aujourd'hui, si vous tapez ça, c'est les âmes posées là-haut, ça, bâton, peut faire ses âmes finies. Amen. Et il est important pour le peuple de Dieu que je gagne toute notre réunion. Il est important ça. Amen. Ce qui m'a permis d'expliquer aujourd'hui, les saints, comment ils ont pour manger, ne pas qu'à manger, je dirais. Nous avons manger, tout. Amen. Un plat balancé. Maintenant, les repas qui sont spirituels, ils sont donnés dans un moment bien cadré qu'il devait faire. Que ce soit ce mardi, que ce soit ce dimanche. Amen. Il paraît comme si, pour prendre l'exemple, pour pas dire comme ça, pour prendre l'exemple, si le riz est réunion de délivrance, ce carré, pour prendre ce légume, c'est réunion vendredi. Amen. Dimanche, c'est ce poule. Vous comprenez moi? Il est important. Amen. Et mon courageux, gagne tout ce temps de réunion, il y a une bénédiction pour toute la vie. Et je peux remarquer que le niveau peut monter, Dieu peut faire vie pour le bien-être de chacun d'entre nous. Amen. Il est important cela. Amen. Dieu bénit. Et qui, quelque part, Dieu bénit chaque réunion qu'il peut faire sur l'église. Pour le bien saint. Amen. Le livre de Jean, chapitre 14, versets 16 et 17. Amen. Et mon titre est dit que. Mon titre est le titre. Amen. Le titre vient de vous faire une série de l'enseignement sur le Saint-Esprit. Amen. Et vous pensez que c'est une petite chose de base. Pour nous, c'est qu'on va commencer aujourd'hui, on va prendre toutes les choses à zéro. Madame Kikane, vous prenez un exemple dans l'amour de Dieu, il fait connaître Jésus-Christ. On va retravailler la base. Amen. Et toutes les choses qui peuvent être faites. Nous faire les pour bon Dieu. Amen. Nous retravaillons pour expliquer bout en bout. Beaucoup de fois, nous avons une petite connaissance. Je connais qu'en faute de connaissance, qu'est-ce qui se passe? Le peuple périt. Le peuple périt. Amen. Le livre de Jean, chapitre 14, le verset 16 et 17. Thank you, Jesus. We pray. Jean 14, 16 et 17. Ready? Amen. Amen. Vous faire la lecture de la parole. On va rendre grâce et puis on va commencer à élaborer. Amen. Jean 14, verset 16-17. Bon, vous demandez, dans l'enseignement qui nous peut faire suivre là, que nous mettons beaucoup l'emphase sur la parole. Amen. Nous pas pour aller vite, nous pour ralentir, pour nous capables d'expliquer à toutes les personnes. Et pour moi, quelque part, comme on peut trouver, c'est nous sommes tous, nous recommençons à zéro. Ouais, pour nous carrément sa connaissance. Amen. Le livre de Jean 14, verset 16 et 17. Et moi, je prierai le Père, et vous donnera un autre consolateur. Ne soulignez consolateur. Consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Il demeure éternellement avec vous. Le verset 17, aussi important. Amen. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne voit point et ne le connaît point. C'est le monde. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Mais vous, dis-moi. Moi. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Soulignez, il demeurera avec vous et il sera en vous. Il est avec nous et il sera en nous. Amen. On va rendre grâce à Dieu. Pour la parole ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je dis à toi merci pour la vie, pour de la paix, pour de la joie, de l'amour, de la gloire, de la grâce, de bonté, de fidélité, papa. Merci Seigneur de vous tenir à mes droites si triomphantes, de le Dieu suprême, papa, éternel, grand, glorieux, admirable. Papa, vous priez aujourd'hui
Papa, nous pas les faire, non, n'est pas nous propre la force, mais tout ce qui nous fait nous faire sur la gloire, Papa. Seigneur, aide ce peuple pour recevoir, pour lier mon esprit dans le monde spirituel. Moi, tâche tout mon esprit de la religion, mon esprit de lourdeur, de la distraction. Et me prie à ce peuple, Seigneur, que la parole pénétrait dans cette équerre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Et nous te disons Amen. Amen. Une série de l'enseignement. Et qui peut venir, qui nous peut faire aujourd'hui nous trapper un petit peu plus de la parole de Dieu. Et aussi, quelque part dans la semaine à venir, vous dire qui nous pourra toucher. Vous êtes capable de comprendre que nous pouvons aller. Et qui est le Saint-Esprit? Qui s'en a ça? Qui le Saint-Esprit fait? Qui est arrivé quand nous connectons avec le Saint-Esprit? Maintenant, nous avons le fruit de l'esprit, nous avons le parler en langue, le baptême du Saint-Esprit, tout cela pour nous regarder. Amen. Et une petite chose aussi, vous pensez de contents, vous pouvez envie comprendre comment nous trouver dans le monde spirituel, comment nous pouvons entendre de la part de Dieu, et aussi comment pour parler en langue et comment aussi pour chanter en langue. Amen. Amen. C'est que nous pouvons équiper l'église complète, ok, un package complet, ok, nous pouvons les temps, nous pouvons extendre. De semaine en semaine, selon le Saint-Esprit, pas moi qui vous guide ça. Amen. Mais aujourd'hui, on va mettre la base. Mais avant qu'il m'aille de l'avant, vous pouvez expliquer ça maintenant. Donne-moi bien par exemple. Que je vais trouver là, c'est le livre de Jean, chapitre 14. Viens pas ce qu'on est, il y a le livre de Jean, chapitre 13. Donc, nous bien situer que l'histoire était. Amen. Suivez-moi, on y va. La Bible, beaucoup de manzeux. Ce sera un petit peu différent. Vous voulez écrire, beaucoup exiger, écrire. Ceux qui sont pas capables, qui font un problème, pas ça, vous obéissez. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de là. Parole de Dieu. Amen. Le livre de Jean, chapitre 13, verset 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde et aller au Père. Ça veut dire prendre du chapitre 13, 14, 15, 16, jusqu'à chapitre 17. Jésus connaît le carré. Amen. Amen. Hein? Jésus connaît le carré. Quand Jésus connaît qui carré, le chapitre 13, donne-moi bien. Il parle de l'amour. Dans le chapitre 13, qu'il fait, il y a l'âme, il tient sur l'air, il y a l'âme, il vient sur ma vie. Il tape la base. Hein? La base, c'est l'amour. Dans toutes choses, c'est l'amour. Amen. Et nous prions que là, nous désirons la langue qui nous a fleuri encore plus dans l'amour dans l'église. Amen. Parce que la base du royaume, c'est l'amour. Quand je pourrai aller t'aller sincèrement, mon Dieu, Jésus en a besoin des uns des autres. Amen. C'est là qu'il se du passé éloigné, c'est là qu'il se de l'amour. Amen. Dire, causer, frère, etc. Fais la personne qui peut faire. Mais la base, c'est l'amour. Je te dis l'amour. Amen. Quand il finit d'établir l'amour, maintenant prends 14, 15, 16, 17, on va rester plusieurs semaines. Je vous trouvez qu'il déroule un enseignement. L'icône, il peut aller. D'aller, tu ne peux pas comprendre qui fait l'enseignement. Mais quand il connaît les pierres, il prépare une base. Et je vous trouvais 14, 15, 17, il parle beaucoup qui m'ont pialé. Mais au cas où il y a une quittaine avec eux. Le thème du 14, 15, 16, 17, quand je pourrais lire, écoute-moi, il y a pourtant, pas ici, vie une réunion, tendez, mais il y a pourtant, je te lis toute la Bible. Amen. Quand je pourrais lire toute la Bible, je vais trouver qu'il parle beaucoup du Saint-Esprit. Amen. Jésus il explique sa main disciple. Et aujourd'hui, l'explication aussi, l'envie explique sur l'église. Parce que l'enseignement que Jésus qui mettait, lui aussi est pour nous, pour ce même disciple, lui aussi pour nous. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons guetter maintenant, et nous sommes capables de titrer plusieurs messages qui nous gardent, dit comme cela, on va connaître un ami merveilleux. Amen. 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 On va connaître un ami merveilleux. Mais vous laissez notre focus de tresse. Quelque part, et hâte de l'avant, comprend que tu peux aller, et quelque part aussi, ça peut aider nous, pour aider l'église, et quelque part aussi, ça peut aider nous pour nous coster avec mon Dieu. Amen. Amen. La première chose, on commence ce soir. Qui est le Saint-Esprit? Ok? Semaine prochaine, nous prenons un petit peu plus profond. Aujourd'hui, nous mettons une base. C'est une base. Prochain troisième temps qui nous coule là. Amen. 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 On va mettre une base. Amen. Et quand nous vous mettons sa base là, le Saint-Esprit, vous êtes capable d'écrire, n'est pas un divan, ni un divin, ni un oiseau. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, donne-moi bien, n'est une personne. Amen. Je te dis une personne. Une personne, c'est un démon. Pour prendre l'exemple. Pour prendre l'exemple, pour qu'on explique ça. L'est un démon, prêt comme un démon qui te trouve lui. Te trouve lui. Mais seulement le Saint-Esprit,
Cette différence qu'il y a avec sa personne là, c'est qu'il ne peut pas troubler. Tu peux comprendre, hein? Les dialoguer, il y en a tout qui chose, c'est qu'il peut prendre écrire, les bien vivant. Et aujourd'hui, à la fin, nous pouvons comprendre le travail du Saint-Esprit. Nous terminons là pour nous reprendre la semaine prochaine. Amen. Il y en a l'émotion. Le Saint-Esprit est en émotion. Qui vous pouvez dire faire ou capable de blesser? Ok? Le Saint-Esprit est capable de blesser. Frère, comment vous êtes capable de blesser? Parce que du moment où vous êtes capable, blesser parce qu'il y a quelque chose qui est spécifique. Donne-moi bien mon poids de l'avant, just downloaded from heaven. C'est la personne le plus sensible de la Trinité. Nous capables de blesser parce qu'il y a une émotion. Amen. La deuxième chose, c'est que l'y trouver, l'y tendait et l'y causer. Pareil comme un timon. Vous êtes amen? Amen. Moi, tu désentends ça d'un homme de Dieu. Et pour moi, il fait moi choquer quand il fait dire moi ça. Et c'est que pour lui, le Saint-Esprit est moins réel. Donne-moi bien. Hein. Nous disons pas qu'on est un camarade. Nous disons pas qu'on est un camarade. Le Saint-Esprit est moins réel pour lui quand il rentre dans le Dieu. Quand il rentre sur le Dieu, il dit Good morning, Holy Spirit. Amen. Il prend même Saint-Tier. Pour lui, il est moins réel. Il prend Saint-Tier. Il croit ça va. Il dit Tout à côté de moi. Pour lui, il est réel. Il dépend. Donne-moi bien. L'idée pas de quantité qui nous connaît. Plus nous connaissons le Saint-Esprit, plus le Saint-Esprit est réel pour nous. Amen, amen, amen. Amen, amen. C'est la même. Plus nous connaissons le Saint-Esprit est plus réel pour nous. Et donne-moi bien, le Saint-Esprit, quand il est plus réel pour nous, du moment où il est réel, je vais sauter dans mon message pour capable qu'on puisse faire ce comprendre, nous la vie sans zé quand nous connaissons. Amen. Nous la vie sans zé quand nous connaissons. Amen. Pour prendre l'exemple, pour expliquer, pour permettre d'y aller dans l'humilité, dans beaucoup d'amour. Deux, trois fois, on a une rencontre avec le Saint-Esprit. Il est important de savoir, du moment où il touche de la vie, prenez quelque chose qui te trouvait, te dire Seigneur, tu commences à pleurer, oui, mais te dire Seigneur, pardonne-moi parce qu'il m'a péché. Sa sainteté qui est dans l'île là, nous pas capable de poster. C'est parce qu'il y a la puissance qui est dans l'île. Dans une de ces réunions-là, trois mois, ben, doit prendre. Le Saint-Esprit, c'est pas moi qui contrôle, il m'a donné toute la place. Mais pour le jour, il peut descendre, il peut toucher de la vie. Amen, amen. Et nous vous connaissons, moi, je dis prophétiquement, avec la foi. Nous vous connaissons comme il est bon et nécessaire pour nous. Je connais David. David, parti dans le inbuilt, il parti dans le Saint-Esprit, habite dans lui. Je connais qu'il est un bon Dieu, pas éloigné, fait tout, mais pas éloigné de l'Esprit de moi. Et tu connais ça, Maria. Et nous parlons de lui aujourd'hui. Amen. Maintenant, ça n'y a pas d'autre. Ça n'y a pas d'autre. Le Saint-Esprit, il y a quelqu'un qui est dans l'amour, il est content dans l'amour. Donne-moi bien là, donne bien. Il est content, donne l'amour et il expecte beaucoup l'amour. Le Saint-Esprit, il est content, donne beaucoup l'amour. Quand le Saint-Esprit descend, quand il descend, il envahit la vie. Ou quand maille ou l'ennemi embrasse. C'est ça le Saint-Esprit. Il est tellement rempli nous de l'amour. Quand on mange, il nous crase ou les pieds. Ou les guéquis, il nous crase des gens assis. Il donne beaucoup l'amour. À cause ça, vous trouvez quelqu'un qui surmonte tout ma faute. Quelqu'un qui est venu, qui a donné une carlotte de semaine, il dit, allez, bon Dieu, bénis-toi. Ah oui, mon pardonne-toi. C'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Amen. Mais quelqu'un, s'il est rancunier, bon, pas besoin de rien. Moi, d'un père. C'est quelqu'un qui est rancunier, bon, pas me dire, il est rempli du Saint-Esprit. Bon, pas me dire, non, mais si m'en réfléchis. Bon, qu'à continuer. Amen. Et il demande, il est content, il donne l'amour, mais il demande beaucoup l'amour. Amen. Oh my heavens. Quand il est fini pour te prier, il n'est pas devant toi 15 minutes. Il n'est pas devant toi 15 minutes. Frère, vous venez me prier 15 minutes aussi. Gloire à Dieu. C'est un gars qui prie 5 minutes, 15, gloire à Dieu. Mais il demande de l'attention. Amen. Il demande de l'attention, il demande de l'écoute. Amen. C'est clair, amen. Je vais réfléchir. Let's go!
écrit, elle donne bien parler de ça. Li pas un divan, li pas un diffé, li pas un colombe. Le Saint-Esprit est Dieu avec un D capital. Amen. Moi, j'ai dit en anglais, vous comptez, j'ai dit, He is God. Amen. La troisième personne de la Trinité, de la Trinité. Trinité. Trinité, c'est quoi? La Trinité, c'est le nom Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Nous, la base de cette église, ou quand content ou pas content, la base de cette église, c'est sur la Trinité. Nous croyons dans le Père, Amen. Le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Père de Dieu éternel, Jésus, mort pour nous, mon confesse, libre, mon Père, vous dire. Il mort sur la terre en chair, il mort au milieu de nous, il mort pour nous, il vient être ressuscité et il est assis à la droite du Père. Amen. Quand Jésus finalement, il a envoyé un le de lui-même. Amen. Quand il finit, il a envoyé, il habite maintenant, tout ce que vous dire, en moi. Amen. Alléluia. Maintenant, donne-moi bien. Je suis une bombe atomique dans ce lieu. Donne bien. Maintenant, je suis un Dieu qui habite en vous. Ce qui fait là, allez, frère, on connaît mon père bien noir. Ce qui est dans toi est plus fort que celui qui est dans toi. Commence par la grosse, ça, c'est. Commence par la grosse. Frère, mon père, mon père, quand je fais ça à l'examen là, Dieu vous permet de t'arriver. Frère, mon père, t'en fais un démon sautier en moi. Ce qui est dans toi, Dieu qui habite. Tu es dans le ciel qui habite en toi. Amen. Et moi déclarer, je vous dis, ce qui est malade, tu es dans le ciel qui habite en toi. Moi dis à toi, maintenant je commence à comprendre l'écriture. Il dit comme cela, même puissance qu'il ressuscite Jésus d'entre les morts, il habite en nous. Il pourrait donner toi la vie dans sa légomotel là. Amen, amen, amen. Si tu es malade, oh, astéra de vous aguerrir. Amen. C'est le Saint-Esprit qui obéit à ça. Amen. Les trois sont importants, mon vino là. Les trois sont importants. Mais ça vient dans ce travail, mon vino là, de manuel avec Dieu. Mais c'est bon, c'est bizarre qu'on comprend que le Saint-Esprit est Dieu. Ils font partie de la Trinité. Frère, Trinité, c'est quoi? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Moi, j'explique ça, vous êtes capables de comprendre. Maintenant, tous les trois, écrire, c'est qui peut écrire. Tous les trois, un seul. Tous les trois, un seul. Bon, pour prendre l'exemple, suis-moi. La meilleure exemple qui nous apprend de la Trinité, c'est toi-même. Amen. Moi, frère, Trinité, non, pas Dieu, Trinité, tu pas Dieu, toi. Mais c'est l'exemple de toi. Tu es un qui gagne de chair, tu es une âme, et l'esprit habite en toi. Amen. Comment tu es un seul là, maintenant, c'est un seul. Mais c'est moi, c'est trois personnes différentes. C'est un mystère, ça. Amen. C'est amen. Si vous allez dire, moi, comme ça, donne-moi bien, ça vous fait de rien, rien. Vous allez vous dire, elle l'air pour les verres. Si vous dites, elle est verre, pourquoi elle est blé? Dieu, c'est Trinité. Un point, c'est Dieu. Amen. Et dans votre comprendre, Dieu est le Père, le Fils. Mais c'est bon, tous les trois, ils s'aiment. Amen. Dans l'air, vous voyez, un petit affaire qui pourrait être Dieu. Maintenant, donne-moi bien. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont en parfaite synchronisation. Je te synchronise incroyablement ensemble. Tu n'es pas pour capable de séparer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je te synchronise ensemble. Tu es capable de dire, je vais prendre un exemple. Je suis tellement relié ensemble, un dans l'autre, je te fais un. Jésus dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Waouh. De l'âme est en toi. De l'âme, c'est de l'âme, de l'ego, c'est de l'ego, mais c'est moi, tout fait un. Tu peux comprendre moi? Mais frère, mais qui fait un séparé? Nous allons guetter là, vous expliquer. Donne-moi quelques secondes, vous explique ça. Je suis parfaitement coordonné. Ça l'échelle-là est extra coordonné, incroyablement coordonné. Ok? Bon, vous expliquez, ça qu'elle connaît qui peut bien faire. Bon, prendre l'exemple. Jésus vient montrer lui-même sur la terre. Tends-moi bien, suis-moi, hein, pour prendre la Bible, pour lui montrer lui-même là. Jésus dit comme cela, maintenant mon travail, il vient m'opier aller. Quand moi aller, il ne faut pas voir une autre qui gagne. Le Saint-Esprit prend, lui. Quand le Saint-Esprit prend, dernier lien, je vais trouver que Dieu le Père apparaît, le grand jugement blanc. Tout de suite, il y apparaît. Chacun est dans ce travail.
Et moi, envie de dire, on a fait de tout mon église aussi. Pour l'église fonctionne vrai canon, ça qu'elle nous a connu qui bien fait. Amen. Ça qu'elle pas mort sur ce camarade sur le pied. Pour prendre l'exemple, ça n'a pas ça pour faire de bien faire. Tout ça n'a pas bien côté comme le ciel lui continue. Amen. Vous comprenez moi? Tenez une responsabilité, le tenez une responsabilité, ça qu'elle fait, tout ça fait coordonner. Amen. Et quelque part, ça qu'elle fait le travail qu'il se peut faire. Et ce qui est important, ça qu'elle a respect pour ce camarade. Amen. Jésus dit comme cela, le Père dit comme cela, vous retire mon esprit parce qu'il n'est pas capable avec l'homme. Genèse chapitre 6, pour nous là. Parce que pourquoi l'homme peut faillir? Les prothèses, les supports. Maintenant, Jésus dit que mon Père, vous êtes pareil comme moi. Il dit qu'il faut aller, il faut prendre ce qui est pour moi, il faut remontrer toi. Satan supporte ce camarade. Amen. Dernière l'air, je vous trouve l'épouse et l'esprit qui est un Seigneur béni. Il faut prendre du tout, il faut amener dans les cieux. Qui fait Satan est dans ce plan, ce travail qu'il peut faire. Il y a des cieux bien coordonnés. Pas badine, vous regardez ce que vous faire, badine avec tout. Pas badine avec la structure et l'administration qui est dans les cieux. Ça vous apprend l'exemple. Peine à défaut. Peine à défaut. Chacun connaît qui est bien fait. Amen. À cause de ça, Dieu dit à nous comme cela, je pisserai ensemble, quand je pourrais ensemble, les mondes pour trouver, qui est quelque chose qui nous a fait. Les mondes pour trouver qui est dans le royaume dans nous. Ça veut dire ensemble. On prend l'exemple. Nous prenons l'équipe football, faire que moi une équipe football, l'église, si tu as une équipe football. Libéré. Bon, puis il y a quelqu'un qui fait oyer, quelqu'un qui grouille, quelqu'un qui danse, quelqu'un qui dévante. Ça gagne dans notre travail. Quand tout met la tête ensemble, gros le ventre. Quand mon propre demi sur mon propre oyer, puis ré, mon grouille, puis mes gros dans mon poteau. Il va tout gagner. C'est-à-dire que Jésus peut vous expliquer nous comment, moi que le Père, il y a de seul Jésus, il y a de nous, il y a de seul. Nous, il y a de seul. Il est important, hein, si nous remplissons du Saint-Esprit, nous pointons. Amen. Bon, on continue. Let's go. Amen. Je respectais le champ d'action de chacun. Le Père connaît ce qu'il peut faire. Le Père, c'est l'être suprême. Tout pour soumettre à lui. Il fait prendre l'autorité et il vient donner à Jésus-Christ. Jésus-Christ connaît ce qu'il peut faire. Jésus-Christ connaît les amis dans la terre. Il reprend les ciels. Il reprend les choses qui est là. Il ramène dans les ciels. Il permet, nous, l'homme, qui faillit à y amener. Mais il vient donner le travail ça à faire. C'est le Saint-Esprit. Jésus, il donne nous le Saint-Esprit. J'aurais dit, nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est nous du Père Visage. Amen. Amen. Maintenant, je n'ai une complète connaissance de l'autorité du travail et qui fut planifié. Moi, je dis tout ça. Maintenant, nous commençons à rentrer un peu plus au fond. C'est bon? That's good. Le livre, donne-moi bien, je vais expliquer maintenant. Le livre, je vais finir pour me parler. Amen. Le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 2. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Au commencement, la création. Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, suis-moi. La terre est informée vie. L'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui descend là, au commencement. Je t'amène. Genèse chapitre 1 verset 2. Le livre de Genèse, le livre de Apocalypse 22 verset 17, il parle de l'épouse, l'esprit et l'épouse. Amen. Nouvelle. Mon vie est ouverte. Le dernier chapitre, Apocalypse chapitre 22. Oh. Bon, on gagne 15 minutes avec ça. Amen. 22 verset 17. Si vous connaissez ça, vous comprenez l'histoire de la Bible. Nous connaissons ça. Apocalypse 22 verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Nous tout est l'esprit et l'épouse. Il ne parle pas de l'époux. L'époux c'est Jésus-Christ. Il est l'esprit et l'épouse. Venez dire, viens. Commencement était, l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Pour du commencement jusqu'à la fin, nous avons trouvé que le Saint-Esprit et que l'épouse viennent de ciel. Le travail du Saint-Esprit, prend de l'Ancien Testament, mais du Nouveau Testament, c'est pour rassembler tout le peuple de Dieu pour faire lui venir de ciel, pour préparer pour la venue de Christ. Vous avez compris moi? Il y a mon bizarre de Saint-Esprit.
Tout à l'heure, la finition, nous allons arrêter là. Comment ça, il est important, quand Pierre a fini. Mais God, tu sais qu'il nous peut dire en tête. Tiens, mon bizarre de Saint-Esprit. Amen. Vous connaissez, il y a peu technique, ce qu'il peut dire. Mais c'est bon, il y a pourtant de mettre sa base. Nous ne pouvons qu'en sortir de là. Amen. Mais le livre de deuxième, Dieu qui retire son esprit de l'humanité. Le livre de Genèse, chapitre 6, verset 3. Parce que pourquoi Dieu permet, un jour, nous pouvons expliquer ça. Vous pensez dans un enseignement, nous pouvons expliquer. Amen. Pourquoi Dieu vient retirer son esprit? Parce que les fils de Dieu qui connaissent les femmes de la terre. Là, dans une fille connaît, finalement, géant finit. Nous restons là, pour pouvoir commenter, parce que ça, pour comprendre ce qui est dans le désert, on peut expliquer. Mais Dieu permet, si nous peut, Dieu permet de vous rendre là, on peut expliquer ce qu'il y a dans sa manicession, on peut expliquer tout ça. Mais l'esprit de Dieu, il représente aussi mon ange qui est rentré. Quand Dieu retire sur l'esprit, quand les ciels qui purent finissent connectés avec quelque chose qui est en bas. Quand toi, un Dieu, un petit Dieu avec des, Dieu finit de dire le livre de son. Ok? Vous êtes des dieux. Mais si nous qui supposons là-haut nous connecter à quelque chose qui est en bas, boum. Ça qui fait un sortir. Nous prenons une session spécifique pourquoi le Saint-Esprit habite dans nous et qui fait avec nous. Amen. Mais avant qu'il m'en de l'avant maintenant, moi explique-je quelque chose. Le Saint-Esprit, maintenant, suis-moi, par exemple. Dans l'Ancien Testament, tu trouves le Saint-Esprit tissure. Je peux dire sûr. Sûr. Right? Les tissures. Pour prendre l'exemple, un qui ken, les tissures, Samson. Tu connais l'histoire de Samson. Oui. Samson arrive à l'air, lit qu'il y fait, ce CV non, lit grâce pour lui. Déchiré. Il prend un marcheur de Han, lit twist, mille dimoun. Le Saint-Esprit tissure lui. Sûr, je peux dire sûr. Sûr. Amen. Maintenant, regarde qui est arrivé à ce ciel. David, le Saint-Esprit qui sur lui, sûr. Samson, sûr. Élie, je te connais Élie, l'histoire d'Élie, quand il finit tuer le prophète de Baal, il y a ta solence, il garde avec moi un superman. Il garde devant, il dépasse. Il dépasse. Accapé contre le Seigneur, il garde bien. L'Esprit du Seigneur, sûr, je peux dire sûr. Sûr. Amen. Des trois exemples encore, mon fils donné Samson, mon fils de Zeus aussi, Saül. Ok? David et Saül. Saül qui prophétise, l'Esprit bon Dieu descend nos lits. Mais l'Ancien Testament, l'Esprit bon Dieu qui existe descend nos lits. Pour un moment et pour un travail. Vous êtes bon pour moi? Oui. Mais aujourd'hui, le livre de Jean 14, verset 17, nous regardons. L'esprit de vérité qui habite en vous. L'époux avec toi et l'époux habite en toi. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui le Saint-Esprit habite en nous? Moi, explique-je, vous êtes capable de comprendre. Et la différence quand l'esprit est sûr et quand l'esprit habite en nous. La différence, c'est que nous tous, nous sommes des pécheurs. Vous êtes d'accord avec moi? L'homme, la nature humaine qui faillit longtemps, qui verse les animaux, le sang de les animaux pour gagner le pardon. Maintenant, il y a quelque chose qui vient verser. Puissamment, qui vient verser, qui lave nous. Pourquoi le Saint-Esprit qui quitte la terre, le Saint-Esprit révénit au jour de la Pentecôte? Jésus dit comme cela, mon pied aller, mais reste là jusqu'à ce d'être rempli de l'Esprit. Parce que Jésus, tu connais quand il est allé, il rentre dans les ciels. Tu connais que le tabernacle là-haut, il vient prendre ce propre tissant, il vient verse dans le propriétaire, qui va veut dire que l'orge de l'alliance, il vient verser le meurtre ici, il vient verser ce tissant là, il vient payer le péché de l'humanité. Maintenant, quand nous finissons d'être lavés, purifiés par le sang de Jésus-Christ, le Saint-Esprit maintenant, il nous rend en nous, à l'intérieur. Amen, 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 amen. Et il habite en nous. Amen, amen. Je comprends? Amen. Mais pour activer le Saint-Esprit, nous bisons born again. Nous désormais, mais nous renaît encore. Qui peut vous dire pour ça? Parce que l'Esprit qui est dans nous, à cause du péché, il est déconnecté avec mon Dieu. Maintenant, quand nous naît de nouveau, nous prenons baptême, we are born again. C'est l'Esprit qui est dans le péché là, qui est lavé par les eaux du baptême et connecté avec les cieux. Amen. Vous avez compris moi? À cause de ça qui est important, le baptême est important. Amen. Maintenant, Dieu, le Saint-Esprit habite en moi. Amen. Moins vite. Nous ouvrons la Bible, le livre de Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Je donne un petit devoir pour faire à la maison. Le livre de Jean.
14, 15, 16, 17. 16, le verset 7. Maintenant, à travers du sacrifice que Jésus-Christ a fait pour nous sur le bois de la croix, qu'est-ce qui est arrivé? Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Je comprends maintenant qui travaille Jésus fait. Maintenant, le travail de Jésus fait qu'il fait, Dieu lui-même habite en nous. Seigneur, comment te pécaser toi habite en nous? Ne vous guettez un petit moment là. Demande un petit moment, m'explique cela. Maintenant, on va ouvrir la parole de Dieu. Amen. Tout le monde. 1 Corinthiens 2, versets 10 et 11. Nous dit de vous dire beaucoup. Dieu, Dieu habite en moi. Dieu. Amen. Je vais parler de secret. Je dis. Et ça peut être beau. Si Dieu est en nous, qui sera contre nous? Maintenant, je vais dans la puissance d'en haut, dans eux. Amen. À cause de ça, qui maintenant, pour tes aujourd'hui, connaît qui je t'étais. God sa l'écho là, papa. Protège sa cadeau qui Dieu vient dans ce là. Amen. Si tu participes capable, tu es capable. Bon, par contre, ce n'est pas une kikène des enfers. Il m'a dit qu'il ne parle pas la langue, nous prenons une session. Dans un jour à venir, nous vous préparons, nous vous prions pour eux. Pour un kikène qui ne parle pas la langue. Mais moi, tu as envie aujourd'hui d'expliquer ce que tu as une petite chose aussi. Combien qui gagne quand je parle en langue de sentir je t'appelle une petite maman? Hé, ma dame, vous barrez une santé. Nous passons un beau moment de le parler en langue parce que les temps parlent en langue quand vous sortez de sentir je te même renouvelé. Amen. 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 Tout ça là est dans secret. Nous parlons tout ça là petit à petit. 1 Corinthiens 2, verset 10, 11. Donne bien à lire. Nous tous nous lions ensemble. Ceux qui ne peuvent pas à lire, ouvrez les oreilles de tomber. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand l'esprit sonde toutes les profondeurs de Dieu. Voilà. Maintenant, donne-moi bien, bon, pour donner ce quelque chose. Comment dire maintenant, nous pour équiper, nous pour empower the church. Nous pour donner ce quelque chose qui pour aider. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il a comme profondeur pour Dieu? C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donne-moi bien. Lesquels des hommes, en effet, il peut expliquer nous. Non, après ça, il prend un exemple, il m'a dit une parabole, il prend quelque chose qui est là-haut pour expliquer en bas. Lesquels des hommes, pardon, il peut prendre quelque chose qui est d'en bas pour expliquer là-haut. Amen. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est que l'esprit de l'homme. Moi, reste tranquille là, je connais que vous pouvez penser là. Mais moi, l'esprit qui est dans moi connaît qui vous pouvez penser. Vous êtes amen? Amen. Bon Dieu, révèle-moi tes mains affaires. C'est le Saint-Esprit qui révèle ton mains quelque chose. Amen. Si tu connais comme un bon camarade, moi je te donne l'affaire, frère, vous priez pour pas t'en cause avec moi, parce qu'il est loin avec lui. Parce que si tu connais, amène-lui, te chérir, lui te contente tous les jours, lui pour révéler toi quelque chose qu'il a. Amen. Pardonne-moi, ce qu'a dit, quand ma quitte fait prier pour le Saint-Esprit, je n'ai pas de la tête d'un oiseau, il pose au moins. Sois édifié pour sauter dans les îles pour. Oh! Jamais tu n'as connu qu'il y a un camarade qui est à côté de toi. Oui. Il compte en toi, il a envie de causer avec toi. Je connais que moi, je t'ai attristé le Saint-Esprit. Il est là et puis attend toi pour te prier. Tu finis de prier 15 minutes, tu viens aller de toi. Allez, tu m'as même dit ni bonjour, ni rien, ni rien. Oui. Ni rien. Il a attristé. Te mets-tu de côté? Nous réaliser là. Nous continuons? Amen. Qu'est-ce qu'il dit? De même, Marcelle, il nous donne l'exemple. L'exemple, c'est quoi? Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, ça veut dire qu'il peut prendre l'exemple pour expliquer nous. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est que l'esprit de Dieu. Personne. Qui nous peut faire? L'église, guette-moi. Elle, l'église, donne-moi bien, elle, l'église qui fonctionne sans le Saint-Esprit. Il y a une église qui n'est pas connue. Les choses du futur. Ni pas contre le plan de Dieu, ni les choses du futur. On va réorienter nous-mêmes maintenant. Nous pour orienter, nous pour amener nous vers le Saint-Esprit. Donne-moi bien, we pray. Mouvini, vous priez, papa, mouvini, vers toi, mou content, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais c'est bon, ce que vous êtes connaît, là qui nous fait bizarre.
Nous visons Jésus, nous croyons en Jésus, oui, mais nous pouvons expliquer que le Saint-Esprit qui habite dans nous, là maintenant, nous pouvons comprendre qui il est. C'est la même? Oui. Moi, je explique ça, suis-moi, tout le monde guette moi. Je te demande bien, hein. Parle de ça. Guette-moi la main. Moi, il y a Dieu le Père qui est là. Dieu le Père lui révèle lui-même dans Jésus-Christ. Tu es d'accord avec moi? Oui. Parce qu'il m'a posé la question, il m'a montre-nous le Père. Jésus dit à moi, Thomas, te trouve-moi. Je te trouve-moi, comment tu as dit que tu as envie de trouver le Père? Tu ne peux pas croire que moi je suis dans le Père, le Père est dans moi. C'est-à-dire que tu as envie de trouver le Père de Jésus-Christ. Tu es d'accord avec moi? Amen. Dieu le Père est révélé dans le Fils. Le Fils dit maintenant, le Saint-Esprit dit, hein, il dit comme cela, mon parvois, il y a le piquen, c'est ça piquen là, pour rappeler tout ce qu'il m'a fait montrer. Il montre nous le Saint-Esprit. Maintenant, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Tu es d'accord avec moi? Amen. L'idée est ça. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Maintenant, regarde l'Église qui se bien comprend. Le Saint-Esprit, maintenant, lui qu'il a, lui pour retourner, lui pour montrer nous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Amen. Quand il retourne nous le montrer nous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, le Fils de Dieu pour montrer nous que le Père est là. Amen, amen, amen. Vous avez compris moi? Amen. Maintenant, ce qui m'a permis de montrer, c'est le Père, puis de nous le Fils, puis de nous le Saint-Esprit. Le travail du Saint-Esprit, il est pour montrer nous Jésus, et quand il montre nous Jésus, Jésus pour retourner nous vers le Père. Amen. C'est quoi, Père, ça, le cycle? Amen. Le cycle. Dieu le Père montre nous le Fils montre nous le Fils. Et là, il y a un secret qu'il nous trouvait dans la Bible. Mais quand nous pouvons connaître plus, nous ne vous pliquons pas. Le Saint-Esprit pour retourner nous, nous pouvons nous montrer eux. Le Saint-Esprit pour retourner nous, donne-moi bien, ouvrez vos oreilles, tendez. Le Saint-Esprit pour retourner nous dans les ciels. Amen. Bon, redis, c'est qui va comprendre. Le Saint-Esprit, ce travail, c'est pour retourner nous dans les ciels. Amen. Le Père vient révéler le Fils vient révéler le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, remontrez-nous le travail du Fils. Le Fils, réamène-nous vers le Père. Le travail du Saint-Esprit, c'est pour retourner nous. Dans le ciel, à cause de cela, le livre d'Apocalypse 22, verset 17, il dit, l'épouse, l'esprit et l'épouse dit, viens. Amen. Je vais comprendre, c'est la Bible est claire pour vous. Amen. L'esprit et l'épouse dit, viens. Amen. Commencement, tiens, là, l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus. Il dit, tu sais, il travaille dans tout cela pour vivre à la fin. Nous sommes au temps que le Saint-Esprit habite dans nous. Si le Saint-Esprit habite dans nous, il pourrait réamener nous vers le ciel. Amen. Je comprends le cycle? Amen. 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 Un peu plus là. Allez. On appelle le heavenly cycle. Maintenant, je termine sur cela pour aujourd'hui. Amen. Ready? Amen. L'Église bizarre le Saint-Esprit. Amen. Je dis trois fois. Ce qui n'est pas d'accord, je te l'ai de dire. L'Église bizarre le Saint-Esprit. Amen. L'Église bizarre le Saint-Esprit. Amen. L'Église bizarre le Saint-Esprit. Amen. Je vous dis un amen, femme. Bon, Dieu, je dis demi mon résultat d'affaires. Quand vous finissez mon résultat, je vous dis un peu faux. Depuis encore réalisé. Ouvrez votre famille. Dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 5. Amen. Nous vous rendons grâce. Nous vous rendons grâce. Amen. Jean 3, verset 5. Amen. C'est dans l'histoire de Nicodème. Nicodème, c'était un pharisien, un docteur de la loi. Il vit vers Jésus-Christ, il a dit comme cela, Seigneur, qui vous peut bien faire? Parce que toi, m'as trouvé quelqu'un qui, quelque part, te connaît beaucoup quelque chose. Jésus répondit, en vérité, je vous le verset de chapitre 3, le verset 3. Lui, ready? En vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tout le monde connaît ça. Nous apprenons le baptême pour nous trouver le royaume de Dieu. Le verset 4, le verset plus important, c'est le verset 5. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et de renaître? Le verset 5. Jésus répondit, souligne sa question. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, mon rédit, si un homme, et donc, je vous dis à frère, mon papa en langue, mais mon Dieu, acceptez-moi, I'm going to be straightforward today.
Nous dire ce qu'il a à dire. Mon papa passe pour 4-5 ans. Nous dire ce qu'il a à dire. Les dire comme cela, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il n'est pas capable. T'as besoin de Saint-Esprit pour te rendre dans le royaume de Dieu. Amen. Je connais qu'est-ce qui se passe. Qui dit moun dire, bon, vous mariez, faire grand fête, mais tout à faire. Et là, quelque chose qui est important d'être mariage, qui vous scelle sa mariage, c'est un bague. Mais si vous pouvez venir au mariage, ou pas mettre un bague, il représente beaucoup de choses. Pour celle de l'alliance, pour te rendre de l'alliance, elle est scellée. Elle est versée, qui est appelée le sceau de l'esprit. Les armes de l'esprit. Mais il est important de savoir, pour celle de l'alliance, tu as besoin de remplir du Saint-Esprit. Il paraît drôle, frère, mais pas d'accord. La vérité, c'est la vérité, c'est pas moi. Moi, je dis ça dans la Bible. Amen. Frère, mais qui fait on dit nous ça, frère? On se fatigue, nous l'appelons. Je ne sais pas, mais là, vous fatiguez, je l'appelle. Mais nous là pour vers, je lise pour je comprendre que je bisais le Saint-Esprit dans votre vie. Amen. Parce que je connais pourquoi, beaufranc, nous terminons en grâce. Dans le ciel du Saint-Esprit pour l'homme. Comment se fait-il de pouvoir rendre une place, que tu lis pour un pomme humain, pousse là-haut? Tu n'es pas content d'y en bas. Soit tu déclares ignorant. Pour moi, le Saint-Esprit is the power of heaven given to us. C'est un cadeau. Le plus grand cadeau qui a été donné, oui, le salut, mais le plus grand cadeau qui nous a été donné, c'est Dieu lui-même en son esprit qui habite en nous. Amen. Je suis bizarre le Saint-Esprit. Amen. Pas passer à côté de lui. C'est une personne. Il est contentant. Il peut attendre de l'amour. Il peut attendre de donner tes oreilles. Il peut attendre des fois. Il y a des fois. C'est lui qui lève à 10h du matin. Aïe, vous pouvez lever. Vous pouvez tomber. Lever, Amine. Lever. Lever, lever, Amine. Lever. Aïe, vous pouvez. Après, tu vas dormir. Allez, dormir. L'homme des maigres matin, vous la vie. Travaille. Vie, on va la voir. C'est le coup. T'es un petit peu. Tiens-toi, lever. Lever, prier. Nous passe à côté. Combien de fois tu m'es marqué, tu peux aller, dis-je t'as peur de ton ennemi, peur de Lila. Combien de fois tu es dans le bazar, dis-je t'as pas coquin, ça c'est au moulin. Combien de fois dis-je t'as fait manquer de choses. Mais Lila, on se met debout. C'était le premier enseignement. Le musée est un peu technique. Mais à partir de ma semaine qui peut venir, il va un petit peu plus, vous capable de dire, plus pratique. Pour prendre l'exemple, si un jour nous dépressons sur le don du Saint-Esprit, de vous dire, de vous prier, de passer un moment ensemble, de vous faire petit à petit, vous nous capable de gagner. Mais aujourd'hui, vous pouvez dire d'autres petites choses. Nous avons un don, un, pardon, pas un don, nous avons un cadeau qui a été donné du ciel. Mes frères, qui m'a besoin de faire pour être capable de remplir du Saint-Esprit? C'est du souverain de l'éclair. Dieu dit, Saint-Esprit vient, bobise toi. Remplis-moi la vie, remplis-moi, remplis vos pensées. Moi, l'écoute à te la voix. Combien de fois, je pas écoute sur la voix. Quand tu rentres dans la prière, tu te dis, Saint-Esprit, qui peut nous dire moi? Révèle-moi, montrez-moi. Et aujourd'hui, frère, me fait beaucoup errer au parc de métier dans mon avis. C'est à cause de ça qu'il peut enseigner. Amen. À cause ça qu'il est mis à nous, comme ça, il est mis à moi. Allez, enseigne tout pas. Allez, à montrer, à dire, à expliquer. C'est lui qui dit ça. Il est tellement content, nous, il parle de nous comme ça. Nous, on tourne les oreilles, allez à faire ça. Allez, à l'expliquer. Tu prends les dents. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, Seigneur, moi, des gens qui ça. Dis-moi, ce n'est pas toi qui disais, dis-moi, qui m'a besoin de faire. Allez, moi, mon petit, toi, allez. Amen. Amen. Mais moi, je connais pas les autres. Allez, à dire. Et aujourd'hui, nous vous prions, nous vous demandons de nous donner la vie. Amen. Personnel. Et je connais qui m'ont content le Saint-Esprit pour dire toutefois. Je ne vais pas payer pour dire. Le Saint-Esprit paye aucun kit d'exagération qu'il fait.
pour vous dire cette fois. Il n'est pas fait non ni exagéré. Pas besoin de nous viesser pour nous remplir du Saint-Esprit. Et dans deux fois, nous tomber, nous remplir sans mot d'accord, le Saint-Esprit d'agir de différentes façons. Mais dans deux fois, dans la simplicité, il est là. Il tape à la porte de nous l'écrire. Aujourd'hui, c'est qu'il nous faut faire le premier pas qu'il nous faut faire aujourd'hui. Nous voulons un petit moment chacun personnel. Et mon pensée, Un gentleman, je connais un gentleman, c'est quoi? Il tape la porte. Et quand il tape la porte, tant que pas dire, il peut rentrer, il va vous rentrer. Il a une bonne manière. Le Saint-Esprit, c'est un guide qui a une bonne manière. Et je vous dis, nous pouvons dire aujourd'hui, vite dans la vie. Définitivement, nous finissons enseigner, tu vas pouvoir faire dans l'histoire. Personne ne va vous rendre le royaume de Dieu sans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, on va demander personnel, chacun. Pour moi personnellement, pour mon première expérience qui m'a fait bien longtemps quand j'étais jeune, 16 ans, 17 ans, je suis en vie. Amen. Je suis en vie. Mon vie. Mon vie de remplir du Saint-Esprit. Si tu n'as un dévot, tu es là pour faire aujourd'hui, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Le fait que tu te l'éclaires. On peut le faire ce soir? Amen. On va rentrer en prière. Et on va prier chacun d'entre eux. Tu connais, Lila est à côté de toi. Le faire de l'hygiène. Ressentis sa présence aujourd'hui. Il est à côté de toi. Et c'est lui qui met à la porte de te l'écrire. Et il peut dire dans tes oreilles aujourd'hui. Il peut dire à toi. Mon vie reste avec toi. Il veut dire à plusieurs personnes qui font ce film avec moi du côté. Il veut dire à moi qui aime, c'est moi qui donne la vie. Le Saint-Esprit veut dire à une personne aujourd'hui. Rétablis de famille, pardonnez. Pardonnez, dit l'Éternel. Alléluia. Lila, il est au milieu de nous. Thank you, Holy Spirit of God. Yahman Meshite Yantabara. J'ai senti plusieurs personnes être raffermies. Je vais sentir ce qu'il faut. Move, Holy Spirit of God. Move au milieu de nous. Accueillez-les dans la vie aujourd'hui, chacun d'entre nous personnellement. Accueillez-les dans la vie. Saint-Esprit de Dieu, si vos filles mettent de côté, vos papines comme de valer, pardonne-moi, Saint-Esprit. De vos bons camarades, Saint-Esprit. Tu es celui, Seigneur Dieu, qui est au milieu de nous, Seigneur, rempli de la vie. Remplis-nous les quais, Seigneur, touche-nous, bise à toi, Seigneur Dieu. Nous bise à ta présence, Seigneur Dieu, parce qu'ils sont toi, nous pas capables de l'emmener, Seigneur Dieu. Ton réel, ton vraiment exister. Conduis-nous, Seigneur Dieu. Si mon fils blesse-toi, dans n'importe quelle façon, Saint-Esprit, pardonne-moi. Mon fils capable, pas fini, prends-toi compte, Saint-Esprit, mon fils blesse-toi. Mais aujourd'hui, remplis-moi de toi, remplis. Remplis-moi de ta présence, Seigneur Dieu. Descends de différents de la vie. Moi, les vivre pour le ciel. Moi, les vivre pour toi, Saint-Esprit. I love you. Il y a beaucoup de personnes dans la salle. Dit l'Esprit de Dieu. Je pas qui trouve le Saint-Esprit comme un Dieu. Je pas qui trouve lui comme un objet, dit l'Éternel. Je suis Dieu, dit le Saint-Esprit. Je suis Dieu. Je peux convaincre tous les quais ce soir. Je suis Dieu. Je vous parle à toi, mon enfant.